Nang's Reborn. Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Nang's Reborn. C'est notre première vidéo du jour. Et pour bien commencer la journée, nous avons envie de vous parler d'un truc assez inquiétant que nous avons découvert aujourd'hui. Nous nous sommes dit que si on n'en parle pas, vraiment, c'est pas bon. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se laisser tout simplement tromper par le diable rien qu'au travers de ces messages qui ne sont pas de bons messages pour nous. Qu'est-ce que c'est? Mes frères et sœurs, ce que c'est que nous avons entendu aujourd'hui une femme qui parlait à ses abonnés. Et cette femme-là était en train de leur donner des conseils qui sont en relation avec des pratiques sexuelles. Et elle parlait des femmes qui ont leur menstrué. Elle parlait des femmes qui sont dans les périodes où elles ne peuvent avoir des rapports sexuels avec les hommes à cause de leur menstrué, tout simplement. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit que si votre homme a besoin de vous, c'est-à-dire il veut avoir des rapports sexuels avec vous, et que vous n'êtes plus dans votre période, franchement, vous pouvez lui donner ce qu'il recherche, mais avec la bouche, avec votre bouche. C'est-à-dire vous pouvez avoir des rapports sexuels avec lui, mais pas par là-bas parce qu'il y a du sang qui coule. Donc vous pouvez tout simplement lui donner cela en utilisant votre bouche. Et cette pratique sexuelle qu'on exécute en utilisant notre bouche, comment ça s'appelle? De toute façon, les images seront là et vous-même, vous aurez à nous dire comment ça s'appelle. Ah! Et nous, quand nous avons entendu ça, mes frères et sœurs, franchement, moi personnellement, je me suis dit, mais ah, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que cette manière de se comporter là, d'avoir le rapport sexuel, mais de faire l'amour avec son homme, avec sa femme, en utilisant sa bouche, ou encore où on va introduire la partie intime de l'autre dans sa bouche, est-ce que ça vient de Dieu? Toutes ces histoires. Et cette fille, cette femme, cette personne n'a pas manqué de dire que Dieu n'a pas dit. Cette personne a dit que nulle part dans la Bible, il a été dit qu'il n'est pas permis à une femme d'utiliser sa bouche pour faire des choses à son mari, ou encore introduire le sexe de son partenaire dans sa bouche pour lui faire des choses juste pour le satisfaire. De toute façon, c'est pour le satisfaire, il n'y a pas de problème. Et nulle part dans la parole de Dieu, on nous interdit de le faire. Et même dans d'autres hommes de Dieu, il y a un homme de Dieu qui fait même beaucoup, même le buzz, même sur Internet, qui a parlé de ça. Il a dit que nulle part dans la Bible, il n'a pas été dit qu'il est interdit de faire la fellation. Voilà, cette pratique sexuelle-là, ça s'appelle de la fellation. Ça a même un nom. Ah! Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient pas de Dieu? Mes frères et sœurs, moi je suis étonné. La fellation, c'est l'acte qui se définit par les images qui vont suivre. Vous allez regarder vous-même. Et puis vous-même, mes frères et sœurs, vous allez réagir dans la partie commentaire et me dire, est-ce que vous pensez que ça, Dieu apprécierait vraiment que nous pratiquons ça? Et je vais vous dire, le diable lui-même encourage le monde entier à le faire. Et toutes ces images qui sont là vont nous aider à comprendre. Si moi je vous dis directement qu'il y a un problème à ce niveau, vous direz, mais où dans la parole de Dieu c'est dit? Mais regardez ça. Et nous vous dirons ce que nous avons reçu comme témoignage à la fin de cette vidéo pour vous aider à comprendre cela. Bien, voici la première image. Est-ce que vous êtes prêts à la voir? Si vous êtes prêts, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche, s'accroche et cliquez directement sur j'aime. Et on compte jusqu'en 3 ensemble. Nous allons voir vraiment ce qui se passe complètement sur cette histoire de fellation. Et ceux qui ne savent pas encore ce que la fellation veut dire, parce qu'ils n'ont jamais eu de telles choses, ces images vont vous aider à voir. Nous ne vous montrons ces images pas pour vous inciter à les faire, hein, c'est juste pour vous montrer que effectivement ça existe. Et le diable veut que les gens se comportent ainsi qu'ils ont des rapports sexuels. Et si le diable veut ça, c'est que Dieu n'est pas du tout d'accord avec. Mais nous vous montrons ça, nous reparlerons à la fin. Regardez la première image. Waouh! Qu'est-ce qu'on voit?
Alors, tu as une fille qui tient quoi? Une banane. Et avec cette banane, vu la manière dont elle fait les choses, quand tu regardes cette banane, tu vas te dire, mais ouh, la fille André, elle a faim. Elle a faim. Donc, elle veut dévorer la banane. Mon frère, c'est ce que tu peux te dire, c'est possible. C'est possible qu'elle ait faim. Mais ici, je vais te dire, ce qui est dans sa tête, c'est toute autre chose. Pour elle, cette banane n'est pas une banane ordinaire. Pour elle, cette banane peut représenter la partie génitale de quelqu'un, d'un homme, qu'elle peut utiliser pour faire ce qu'elle a envie de faire. Et elle se dit, elle veut croquer la chose. Parce que elle aime le sexe. Parce que elle a besoin de sexe en ce moment-là. Et ils l'ont pris en photo et ils ont publié partout. Vous pensez que c'est qui a permis cela? C'est le diable. Afin que nous puissions comprendre que, franchement, dans la vie, il n'y a que du sexe. Et que c'est le sexe seul qui peut nous donner du plaisir, qui peut nous faire plaisir. Et quand on parle de la fellation, ça devient grave. Regardez cette image. Selon vous, est-ce qu'elle est tentée de déguster ce bonbon-là? C'est-à-dire, est-ce que pour elle, c'est le bonbon-là qu'elle est tentée de laper? Non. Pour elle, dans son acte, c'est-à-dire dans sa tête-là, c'est pas un bonbon qu'elle est tentée de déguster. Toi, tu vas voir ça physiquement pour dire que c'est un bonbon qu'elle est tentée de déguster, c'est possible. Mais dans sa tête, elle est tentée de sucer le pénis de quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la fellation. Et regardez comment le diable nous montre ça. Il nous montre ça comme ça. Pour que nous tous nous puissions penser que c'est une bonne chose à faire. Et vous allez voir à la fin qu'il va même passer par des célébrités pour faire même la publicité de cette histoire. Et c'est là que vous allez voir que vraiment il y a un danger. Regardez ça. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit une fille qui est tout simplement au niveau où il ne sait même pas comment c'est, mais regardez vous-même. Et ici, on a l'impression que il y a une cigarette. Et cette cigarette qu'elle a, est-ce que cette cigarette-là, c'est une cigarette ordinaire? Est-ce qu'elle elle se prépare à fumer? Non! Elle ne fume même pas. Mais le diable a fait juste pour nous montrer, ou encore pour montrer aux gens, pour rappeler aux gens que avant de dormir, qui se souviennent que il doit faire cette pratique parce que c'est pratique, il sait ce qu'il en tire. Est-ce que le sexe d'un homme ça doit être utilisé pour le positionner dans la bouche d'une femme? Ah, il y a plein de femmes ici qui vont se fâcher. Ouh, pourquoi tu me tues? Tu es en train de nous énerver. Et après, d'autres même qui aiment ça, ils vont dire, ah, il y a un souvent, pardon, tu t'es touché un point sensible, s'il te plaît. Ah! Mon frère, ma soeur, nous devons vous dire la vérité. Si ça plaît à Dieu, on n'a pas passé notre temps à en parler. Ce sont les choses qui ne sont pas de Dieu, là. On prend notre temps pour parler. Mais vous allez voir, nous allons en venir. Regardez ça encore. Là, c'est clair. Est-ce que c'est une banane, elle est en train de manger? C'est possible. Peut-être que vous allez dire que c'est une banane. Et puis, elle n'est pas en train de manger, elle est juste en train de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'est-ce que c'est que ça? Mes frères et sœurs, c'est ce qui se passe. Et dans les chambres, entre l'homme et la femme, là, ils font ça. Mais là-bas, ce n'est pas la banane qu'ils utilisent. À la place de cette banane, ou encore dans l'esprit de cette fille, à la place de cette banane, c'est autre chose. Et c'est cette pratique sexuelle-là que le diable veut que vous pratiquiez. Est-ce que le diable veut que vous fassiez? Si vous faites ça, mes frères et sœurs, voyez, là vous voyez que ça devient populaire, répandu. Et tout le monde pratique ces genre de choses. Regardez. Tout ce qu'on utilise, on l'utilise pour faire des trucs bizarres. Ça nous rappelle le sexe à chaque fois. Le diable veut vraiment que dans l'esprit des gens, ce soit que le sexe. Et que les femmes aussi s'habitue à tout représenter dans l'esprit, genre comme des choses qui appartiennent aux choses du sexe. Tu vois un bonbon, tu veux l'appeler le bonbon sucette. Tu as dit, oh, ça peut ressembler à un truc que je peux représenter dans ma tête. Et c'est exactement ce que le diable veut que tu fasses. Et regardez encore, là vous voyez que ça devient grave. Pourquoi toutes les femmes qui sont ici pratiquent la même chose? Et vous allez dire, mais vous allez comprendre, mais pourquoi c'est un problème?
Regardez, ce sont des pratiques sexuelles interdites. La fellation. Nous parlons de la fellation aujourd'hui. Mais dans d'autres vidéos, nous parlerons d'autres choses encore. Restez connectés. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant. Regardez ça. Là, c'est dans un clip. On a vu une femme qui est en train de représenter un truc pareil. Vous voyez? Et quand c'est dans un clip, là, c'est encore plus grave parce que des millions de femmes ou de personnes verront tout simplement cette histoire-là. Et c'est là même qu'il y aura même problème. Parce que, waouh! Beaucoup de personnes vont se mettre à pratiquer la chose parce qu'elles se diront que c'est normal. C'est pas normal du tout. Regardez. Regardez comment ses yeux sont écartillés. Et elle met tout simplement cette histoire-là dans sa bouche comme ça. Est-ce que pour elle, c'est une banane? Non. Dans son esprit, c'est censé, cet objet qu'elle tient dans la main est censé représenter la partie génitale d'un homme qu'elle introduit dans sa bouche. C'est comme on appelle même la fellation. C'est ça la fellation, si tu ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, les images qui sont là, tête. Et regardez, elle est encore arrêtée là et elle nous montre clairement que, effectivement, c'est ça. Là ici, c'est pas Dieu qui tentait de parler de ça. Dieu a créé l'homme et la femme et il a dit multipliez-vous. Mais quand tu vas faire ça là, tu vas utiliser cette histoire là. Est-ce que tu es sûr que tu vas te reproduire, tu vas te multiplier? Ça m'étonnerait. Ou bien quand tu es à l'acte, elle te fait ça, après vous vous multipliez. Ça veut dire que quand vous êtes dans l'acte sexuel là, il y a certaines positions, certaines choses que vous faites là, que Dieu regarde quand même. C'est-à-dire quand tu es à l'acte sexuel, tu fais la chose avec ta femme là, Dieu te voit. Et puis il te dit, regarde, ça là, la partie où tu mets, tu introduis ta partie génitale dans la bouche de la femme là, c'est interdit. Il faut éviter ça. Regardez ça. Et ici, on a l'impression que elle regarde l'homme. On a l'impression que c'est l'homme qu'elle est en train de regarder. Du genre, l'homme est en haut comme ça. Et puis, elle le regarde. Mais qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui va suivre sur sa poitrine? Qu'est-ce qui va être là? Est-ce que c'est de la crème? Apparemment, quand vous regardez, vous avez dit que c'est de la crème. Mais toi, tu sais, toi, qui regarde, tu sais que ce n'est pas de la crème. Cette crème qui est là est censée représenter le sperme de l'homme qui verse sur la femme. Et ça, c'était représenté où? Dans un clip. Nous savons que la plupart du temps, les gens utilisent des choses sensuelles. Ils mettent des trucs à caractère sexuel même dans les clips. Tu as dit des choses qui vont souvent là. Ces images, est-ce que ces images qui sont là, est-ce que la banane qui est là, c'est le sexe de quelqu'un? Non, c'est pas un sexe. Mais c'est là juste pour représenter effectivement, ça, c'est un sexe, c'est juste une image. C'est ce qu'on appelle les messages subliminaux. Les gens utilisent ces messages subliminaux dans les clips. Et ça, c'est un message subliminal. Cette chose, ce fruit que vous voyez de sa main, n'est pas un fruit pour elle. C'est tout simplement le sexe, la partie génitale d'un homme. Elle est censée attraper là. Voilà. Là, tu comprends bien. Maintenant, revenons à nos moutons. Est-ce que ça plaît à Dieu? Vu tout ce que nous venons de vous dire, assurément, vous avez compris que vraiment, Dieu n'approuve pas cette pratique sexuelle. Qui n'a pas fait ça ici? Ah, mais qui regarde cette vidéo, si tu n'es pas vierge. En tout cas, si tu n'es pas vierge, moi, je sais que toi, tu as fait ça. Mais je vais te dire que cette pratique sexuelle-là, c'est une pratique qui vient directement d'une sirène. C'est une sirène des eaux qui fait ça. Et vous savez pourquoi elle fait ça? La question c'est de savoir mais pourquoi elle fait ça. Quand elle arrive dans ce monde, elle arrive dans ce monde avec l'intention de détruire la vie des gens par le sexe. Et comme elle va s'arranger à détruire la vie des gens, elle va tout simplement faire en sorte que quand vous avez des rapports sexuels avec elle, vous puissiez tout simplement introduire votre sexe dans sa bouche. De sorte que elle puisse se mettre tout simplement à vous sucer. Une fois que vous a sucé, à un moment donné, vous allez commencer à éjaculer. Et même vous pouvez même éjaculer à l'intérieur de sa bouche. Oui, ça peut se passer. Et quand ça va se produire, votre spermatozoïde entrera dans sa bouche. Mais à ce moment-là, ce que vous ne savez pas,
c'est que elle, comme elle est mystique, c'est un démon déguisé en une femme qui est venue. Elle, ce qu'elle va faire, c'est que elle va tout simplement prendre votre sperme, spirituellement parlant, elle va prendre votre sperme, c'est-à-dire là même où se trouve la vie, parce que dans le sperme, il y a la vie. Donc, elle va prendre votre sperme et bloquer beaucoup de choses en vous. Elle peut bloquer votre étoile, vous empêcher même de réussir, rien que parce que vous avez pratiqué cela. Maintenant, qu'est-ce que les gens font? Qu'est-ce que les démons font? Les démons, ils savent qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment beaucoup faire de telles choses. Donc, eux, ils vont vous attendre. Quand vous allez commencer à vous toucher, vous caresser, là, quand vous allez arriver dans la chambre, et quand vous serez prête à maintenant faire ça, utiliser la partie génitale de l'homme pour mettre dans la bouche de la femme, à la place de cette femme-là, puisque cette pratique sexuelle ne vient pas de Dieu, donc le diable peut venir maintenant jouer avec vous. Et le diable va mettre son esprit dans la femme-là comme ça. Maintenant, toi, tu vas voir la fille, là, parce que c'est la fille-là que tu as été de te sucer cette histoire-là. Or, en question, c'est pas ta fille-là qui a été de sucer ton bonbon. C'est un démon qui s'est incarné automatiquement en elle, qui a pris possession d'elle et qui est en train de sucer ton bonbon. Mais en ce moment-là, toi, tu ne le sais pas parce que tu n'es pas informé que ces choses-là sont des choses interdites et que toi tu ne dois pas pratiquer ce qu'on appelle la fellation. Mes frères et sœurs, faites attention, faites vraiment attention de chez monsieur, attention. C'est une partie sexuelle, on vous dit, qui est interdite. Dieu ne permet pas cela. C'est un démon, une sirène elle-même qui a inventé ça, qui a envoyer ça, et c'est le diable qui est derrière tout ça. C'est le diable qui se cache derrière cette pratique sexuelle. Si vous êtes dans ce genre de choses, c'est le moment d'en sortir, mes frères et sœurs. Cette vidéo vient pour vous dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et cette femme-là, elle disait quoi? Elle disait que quand tu as une période où tu vois tes menstrues, si ton homme a besoin de toi, il faut lui sucer. À quoi ça sert? Si tu es dans une menstrue, tu es dans une période où le sang coule de là-bas. Ah, toi aussi. L'homme ne va pas te demander de désirer comme ça. Ou bien il te désire comme ça, comment tu vas faire? Ah, est-ce qu'on vit seulement du sexe? S'il veut, il a besoin de toi, il faut l'envoyer dans un bon restaurant, vous allez bien manger. La nourriture qu'il va manger, là, ça lui fait même du bien. Parce que parfois, la nourriture même, c'est supérieur même au sexe. Moi, même là, quand je regarde ça, je vois que la nourriture même, là, parfois, même là, c'est mieux que le sexe. Ah, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez compris que la fellation, c'est vraiment une pratique sexuelle que Dieu n'approuve pas. Au moins, on vous l'a dit. Si vous n'êtes pas informé, on vous l'a dit. Tous ceux qui vont vous dire que c'est une pratique sexuelle, ça fait du bien. Qui a dit que ça ne fait pas du bien? Ça fait du bien, nous tous, on a fait ça. Mais Dieu dit qu'il n'est pas d'accord avec ça. Parce que c'est une pratique sexuelle qui vient des démons. Et la parole de Dieu nous dit même, ne vous affectionnez pas aux œuvres mauvaises et ténèbres, mais condamnez-les. Il faut tout simplement voir ces genres de choses. Il faut dire que ce n'est pas bon. Et c'est ça même notre travail, mes seigneurs, serait bon. Regardez encore. Moi, quand je vois ça, là-même, ça me rappelle même une vieille histoire, mais c'est qu'on faisait même. Et on était content. Toi, tu regardes, tu n'es pas content. Ou tu n'es pas content. Bon, moi, en cas, je dis les vérités. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Tout ce qu'on fait, ça, dites-moi. Est-ce que ça ne fait pas plaisir? Mais ce qui va te faire plaisir sur la terre, là. Ça là, c'est ça qui même peut te conduire en enfer. Est-ce que toi tu veux aller en enfer avec le feu? Juste pour un plaisir de 5 minutes. Si tu es trop même 20 minutes. Mon frère, nous devons apprendre à avoir même le rapport. C'est-à-dire faire de bonnes choses, faire l'amour avec nos femmes. Nous devons même apprendre ce genre de choses. Et je pense que les animaux même nous apprennent. Les choses nous disent la chose. Oui. Les animaux font ça comment? Simplement. L'homme doit faire ça comment? Simplement. On sait que quand tu veux aller vers la femme et qu'elle n'est pas excitée, il n'y a pas de sécrétion vaginale. Bon, s'il n'y a pas ce liquide-là qui est là-bas, forcément tu auras des difficultés à pénétrer. Ça, c'est normal. C'est là où on va parler des préliminaires. Si tu es marié à une femme, tu peux lui donner des bises, tu peux faire tout ce qu'il faut, mais la fellation où tu fais le rapport sexuel dans la bouche de la femme au lieu de la partie intime, là, c'est de ça que nous sommes en train de te parler. Et il y a une autre encore chose que les gens font. Tu as fait le rapport sexuel à la fille dans sa partie intime jusqu'à.
tu as dit ok, comme tu as fini la partie intime, tu vas aller maintenant chercher quelque chose dans son anus. Comment on appelle ça? Tu as la sodomiser. Cette pratique aussi là, ça vient des démons. Nous en parlerons dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous maintenant et commencez par nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes fâché, écrivez en bas dans la partie commentaire. Je suis fâché, mais comme Dieu dit de ne plus le faire, je vais faire mon effort pour ne plus le faire. Tout simplement. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Si tu paies ta dîme, tu fais des offrandes, tu soutiens même l'œuvre de Dieu. Même si tu viens signer sur bon, tu t'abonnes sur toutes tes chaînes, même si tu veux finir faire des dons. Et tu ne mets pas à partir tout ce que Dieu est en train de te dire ici. Tout ce que tu fais est vain. Nous devons te dire la vérité. Moi, c'est une chose que j'ai découvert aujourd'hui même. Et j'ai décidé de vous en parler. Depuis ce matin, est-ce que vous avez vu qu'on a fait des vidéos? Non. C'est maintenant que nous revenons. Travailler. Et il est quelle heure ici? Il est minuit. Et cette histoire-là, c'est la chose qui nous a frappé. Parce que nous faisons des recherches. Et d'autres vidéos vont venir maintenant. Préparez-vous mes frères et sœurs parce que nous serons certainement live dans les heures qui vont suivre. Voilà, préparez-vous tout simplement et soyez prêts. Que tu bénisses frères et sœurs. Ça fait mal d'entendre que ça là, ça continue à l'enfer, c'est pas bon. Hey, Nyan Subo, pourquoi t'appelles ça? Et les gens sont là, ils sont ici déjà vous dire, hey Nyan Subo, pourquoi t'appelles ça? Et si j'avais jamais entendu parler de ça, mais c'était mieux, à cause de toi, il n'y a plus fait ça. Mon frère, il faut faire ce que Dieu, il faut obéir, le plus sauf mieux que les sacrifices. Ah, hey. Le sexe là, c'est pas pour la bouche, c'est pour le sexe aimant. Mais je sais pas, mes frères et sœurs, ne tombe pas dans les pièges du diable, mes frères et sœurs, ne tombe plus dans les pièges de Satan, quoi. Hein? Dieu vous nous voit, Dieu nous voit, toi aussi, qui te masturbe là, Dieu te voit. Les péchés sexuels comme ça là, Dieu ne permet pas cela, évitez ça. La masturbation aussi, arrêtez. Les femmes aussi qui utilisent les bananes pour mettre dans la tête, pour être dans sa tête, la banane qu'elle a là. C'est le sexe de quelqu'un. Il faut éviter de gérer telle pensée. Parce que là même, tu pêches même dans ta pensée. Et là même, tu n'es pas peur. Tu n'aimes pas ça du tout. Il faut aussi éviter ça. Même si tu vois les gens le faire, toi ne le fais pas. Parce que Dieu ne le permet pas. Là, on a été clair. Nous avons présenté des images. Pour que vous ne puissiez pas dire, oh, bon, tu as parlé, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Si tu ne sais pas exactement le mot fellation, ça veut dire. Au moins, on t'a présenté les images, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui! Si tu ne sais pas que c'est interdit, aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Il faut obéir, tout simplement. Tous les hommes de Dieu qui ont venu te dire que la fellation, c'est une bonne chose, c'est comme ceci, quand c'est comme cela. Mon frère, toi, il faut regarder. Si c'était bon, si ces choses étaient bonnes, mais pourquoi le diable va prendre tout son temps pour nous montrer toutes ces images-là comme ça, juste faire la publicité même de ça? Posez-vous la question. Pourquoi le diable ne dit pas que c'est interdit? Et puis il dit que c'est bon. Et regardez comment les gens font les choses. Là, c'est la cigarette qu'on met dans la bouche de la fille. Là. Prenez soin de vous, mes frères et sœurs. Et pourquoi vous la prochaine émission, ce soir? Ça va être chaud. Nous parlerons de quoi? Appelez-nous. C'est de la sodomie. Bon, sodomie. Comme les dames, les pratiques sexuelles, les gens font avec les femmes. Bon, Dieu va permettre, on va en parler. Après les témoins puissants qui vont venir, nous en parlerons. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour l'activer. Cliquez sur j'aime si vous avez été impressionné. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Waouh, c'est extraordinaire! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, veuillez cliquer sur s'abonner si ce n'est pas encore fait. Cliquez sur la cloche pour l'activer. Et si vous voulez faire le don pour nous soutenir, c'est possible. En dessous de cette vidéo, c'est toutes les informations qu'il vous faut pour faire le don. Vous pouvez faire le don via Western Union ou encore PayPal. Waouh! Let's get back.